طلب العلم فريضة على كل مسلم. لا إله لا إله إلا أنت، إلا أنت، سبحانك سبحانك إني إني كنت كنت من الظالمين. Alors cette invocation, c'est ce qu'il a dit le prophète Younous, alayhi salam, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, lorsqu'il s'est fait avaler par le gros poisson, il était dans le noir, il était dans le noir total. Regarde, Ayoub est à la lumière. Imaginez, tu es tout seul dans le noir perdu. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin. Tu peux rallumer, Ayoub, barakallahu fik. Il a dit la ilaha illallah. Il a dit qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah, en dehors de lui. Subhana, gloire et pureté à toi. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal n'a aucun défaut. Inni kuntu min adh-dhalimin, j'ai été certes du nombre des injustes. Et lorsque tu veux demander quelque chose à Allah, tabaraka wa ta'ala, dis, répète cette invocation. Alors les enfants, dans la question d'aujourd'hui, nous allons nous poser une question que l'on a déjà vue dans le cours précédent. Mais nous allons la traiter d'une manière à part entière. Traiter la question, ce n'est pas dire un gros mot. Traiter la question, c'est-à-dire nous allons étudier la question d'une manière seule. Ça te fait rire, hein? Alors, la question c'est, pourquoi sommes-nous sur terre? Pourquoi Allah nous a créés? Pourquoi nous sommes nés? Pourquoi nous sommes sur terre? Oui, Salim. Alors, pour nous tester, pour nous éprouver, très très bien. Et cette question, les êtres humains, ceux-là, sont posés depuis des siècles et des siècles et des générations et des générations. Quelle est la raison de notre existence sur Terre? Est-ce que nous avons une mission sur Terre? Quel est le but de notre vie? Est-ce qu'Allah il m'a simplement créé pour m'amuser, pour manger, pour boire, pour me reposer? Ou est-ce qu'Allah Azza wa Jal m'a créé pour un but bien précis? Est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala m'a créé pour une raison particulière? Et toutes ces questions-là, on les appelle des questions existentielles, c'est-à-dire des questions qui concernent notre existence. Pourquoi Allah Azza wa Jal m'a fait exister? Et les réponses, nous les trouvons où? Nous les trouvons dans le Coran et dans la Sunna de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque lorsque l'on lit le Coran, on comprend qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne nous a pas créé abathan, en vain. Il ne nous a pas créé pour rien, comme tu dis. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a créé pourquoi? Pour qu'on l'adore. C'est ça le test. C'est ça l'épreuve. Sur terre, dans ta vie, Allah Azza wa Jal, il va te surveiller. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'observer pour voir si tu fais partie de ceux qui se sont soumis à lui. Si tu as adoré Allah Azza wa Jal. Si lorsque la prière arrive, tu arrêtes de faire ce que tu fais et tu pries. Ou bien, si tu vas oublier celui qui t'a créé. Ou bien, si tu ne vas pas remercier celui qui t'a donné toutes les bonnes choses.
C'est pour cela, les enfants, retenez toute votre vie que nous n'avons pas été créés pour rien. Vous n'avez pas été créés pour rien. Vous n'êtes pas nés pour rien. C'est parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a voulu. Et si Allah Tabaraka wa Ta'ala vous a fait vivre, s'il vous a fait naître, s'il vous a donné cette existence, c'est pour cette mission. C'est quoi notre mission ? C'est d'adorer Allah. C'est de croire en Allah. C'est de rendre unique Allah. D'adorer Allah seul sans rien lui associer. Également, dans le fait d'adorer Allah Azza wa Jal, et dans le fait de lui obéir, dans le fait de se soumettre à lui, eh bien Allah Azza wa Jal, il nous a créé pour que l'on transmette la bonne parole, pour que on soit utile et bon envers les gens, pour qu'on ordonne le bien autour de mal, autour de nous, pardon, et que nous interdisons, que nous refusons le mal. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Allah Azza wa Jalla dit dans la surat al-Mulk. La surat al-Mulk, qui connaît la particularité de cette surat? Si je récite surat al-Mulk tous les soirs, qu'est-ce qui va se passer? Oui, Arwa? Alors tu seras protégé du châtiment, des punitions qui seront dans la tombe après notre mort. C'est pour cela qu'il est important, commencer à l'écouter. Tu écoutes cette surat. Elle commence par Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum. Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit dans le sens du verset, c'est celui qui a créé la mort. Qui a créé la mort? Allah. Et qui a créé la vie? Pourquoi Allah il a créé la mort, il a créé la vie? Allah il a créé la mort, il a créé la vie pour nous éprouver, pour nous tester. Et de voir qui est d'entre nous, qui est le meilleur en œuvre. Allah il attend, il ne nous demande pas de faire un maximum de bonnes actions. Non, il veut que nous faisons des bonnes actions. Nous soyons ceux qui font les meilleures des actions. Je reprends l'explication. Allah Azza wa Jal, il ne nous appelle pas dans ce verset à avoir ce qui fait le plus. Mais Allah Azza wa Jal, il nous observe pour voir ce qui fait la meilleure des actions. Ça veut dire quoi? Peut-être que quelqu'un, il y a beaucoup d'argent. Imaginez quelqu'un qui est riche. Il y a 1 million d'euros. Il prend tout son argent. Il la donne à un pauvre. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Mais lui, il fait pas ça pour Allah. Il fait ça pour que les gens ils disent, ils parlent de lui, ils vont le prendre en photo, ils vont le mettre dans le journal, il va passer sur les réseaux sociaux, il va être connu. C'est beaucoup ce qu'il a donné ou pas? Oui. C'est bien ce qu'il a fait ou pas? Non. Non. Alors que peut-être quelqu'un, il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. Il va prendre 1 euro. Il va le donner à un pauvre, mais vraiment, lui il fait ça pour qu'Allah il le récompense. C'est beaucoup ce qu'il a donné ou pas 1 euro? Oui. Enfin, c'est pas beaucoup. Par rapport à 1 million d'euros, c'est beaucoup ou pas? Non. Non, on a le droit de dire qu'un euro par rapport à 1 million d'euros, c'est pas beaucoup. Par contre, c'est une bonne action qu'il a fait ou pas? Oui. Regardez la différence. 1 euro, il vaut mieux que 1 million d'euros. En fonction de l'intention, du pourquoi j'ai donné cela. C'est pour cela, les enfants, retenez ça toute votre vie. Tout ce que tu le fais sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons un autre exemple. Quelqu'un, il se lève, il fait ses ablutions et il prie toute la nuit. Pendant que tout le monde y dort, lui, il prie. Il prie de raka'at, il salam, il prie de raka'at, il salam. C'est bien ce qu'il fait ou pas? Oui. C'est bien ou pas? Oui. Mais en fait, lui, il fait juste cela parce que ses parents, ils l'ont obligé. Il fait ça que pour ses parents. Quand ses parents, ils sont pas là, lui, il le fait plus. C'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas bien. On prie pour les parents ou on prie pour Allah? Pour Allah. Voilà. Mais imagine quelqu'un, juste lui,
il fait ses 5 prières. Les 5 prières obligatoires. Même peut-être qu'il ne fait pas plus de prières. Mais il fait les 5 prières obligatoires. Mais lui, il fait cela pour accéder au paradis. Pour qu'Allah soit satisfait de lui. Et des exemples comme ça, on pourra en donner plusieurs. Mais ce qui est important que vous compreniez, c'est que ce que je le fais pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et une fois que je vais mourir et que je vais réussir le test, Allah tabaraka wa ta'ala a préparé pour nous une énorme récompense. Ça commence déjà dans la tombe. La tombe, une fois que tu es enterré, ta tombe sera soit un jardin parmi les jardins du paradis, une partie du paradis qui est dans la tombe. Ça, c'est si tu as réussi le test. Si tu n'as pas réussi le test, ce sera très bien une partie de l'enfer, un trou parmi les trous de l'enfer. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il va tous nous ressusciter. On va revivre après la mort. Sur une nouvelle terre, il va tous nous rassembler, il va tous nous juger. Et à ce moment-là, ceux qui recevront leur livre dans la main droite, ils pourront accéder au paradis. Ce sera la récompense du test qu'ils ont fait sur terre. C'est un endroit magnifique. Et le paradis, c'est éternel. Vous savez ce que ça veut dire, éternel ? Ça veut dire que c'est infini. Tu rentres dedans et tu ressors. Et voilà, ça veut dire que ça ne s'arrête plus. Est-ce que la vie, elle est éternelle ? Non. Non, est-ce que votre enfance, elle est éternelle ? Non. On n'est pas éternel. Il y a un jour où ça va s'arrêter. Il y a un jour où tu ne seras plus enfant et tu seras adulte. Et il y a un jour où tu vas mourir. C'est-à-dire que ta vie, elle s'arrête. Alors que le paradis, ça ne s'arrête pas. Tu ne meurs pas. Tu n'es pas malade. Tu ne seras jamais malade. Tu ne seras jamais triste. Tu ne seras jamais énervé. Tu seras éternel. Tu seras joyeux. Tu seras beau. Tu seras belle. Tu seras... Exactement, tu auras toutes les bonnes qualités parce que tu seras une nouvelle créature et tu seras éternel dans le paradis. Tu seras toujours jeune, tu seras toujours fort et c'est un endroit où on pourra manger et boire, même si on n'a pas faim et on n'a pas soif, mais tu manges et tu bois par plaisir. Et c'est, en réalité, c'est ça la vraie vie, c'est ça la véritable vie. Par contre, si tu n'adores pas Allah, si lorsque tu grandis, tu refuses d'adorer Allah, sache que tu auras raté ton test. Et à la mort, qu'est-ce qui t'attendra ? L'enfer. Un trou, une partie parmi les parties de l'enfer. Et l'enfer aussi, t'attendra. Il est éternel pour certaines personnes, pour ceux qui n'ont pas adoré Allah. Par contre, pour ceux qui ont adoré Allah, mais à côté ils lui ont désobéi et qu'Allah Azza wa Jal n'a pas pardonné et qu'ils iront en enfer, c'est possible qu'à la fin, et on le sait, c'est qu'à la fin, comme c'était des gens qui ont dit La ilaha illallah, à la fin ils seront sortis de l'enfer et ils iront au paradis. D'accord ? Ils iront en enfer un temps et ensuite ils iront au paradis. Mais nous, qu'est-ce que l'on recherche ? Qu'est-ce que l'on demande à Allah, tabaraka wa ta'ala ? On demande à Allah, azza wa jal, d'aller au paradis sans passer par l'enfer. Et quand on demande le Firdaus. Répétez, El-Firdaus. C'est l'endroit le plus haut du paradis. Donc répétez, Allahumma. Et il est important, lorsque tu invoques, tu lèves tes mains comme ceci. D'accord ? Quand tu es dans ta chambre, quand tu es dans ta voiture, peu importe, tu invoques Allah, tu lèves tes mains et tu dis Allahumma, Allahumma inna, inna nas'aluk al-firdaus al-a'la min al-jannah. Tu demandes à Allah Azza wa Jal le firdaus, l'endroit le plus haut du paradis. Amin. Wa sallallahu wa sallam على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلب العلم فريضة على كل مسلم. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.